Vous avez senti les fameuses réticences dont les sondages nous abreuvent sur la vaccination? C'est tout dépend de la manière dont les prescripteurs se comportent. Les prescripteurs, c'est les médecins, et puis, pardon, je vais vous dire comme ça, c'est les maires. Le nombre de gens qui, sur le marché de Meaux encore samedi, m'ont dit « Mais alors, monsieur le maire, vous pensez que je dois me faire vacciner ou pas ?» Alors, il est évident que si vous avez des maires ou des responsables publics qui disent « Bah, je sais pas, on va attendre que les premiers servent de cobayes, on n'y arrivera pas. » Et les élus locaux le doivent s'engager plus dans la promotion sûr, de ce vaccin pour beaucoup vous, le font, de quelle manière? Beaucoup le font, mais en le disant, tout simplement. Moi, je ne cesse de dire en toutes circonstances, il faut nous faire vacciner. Et croyez-moi, je ne peux pas donner l'exemple, parce qu'il faut appartenir à une catégorie donnée, hein, au-dessus de 75 ans, mais je vous garantis que si je pouvais le montrer physiquement, je le ferais, parce qu'il faut absolument rassurer les gens. Ah ben, bien sûr, je ferai le moment venu. Bien sûr, sans hésiter, sans hésiter. Jean-François Copé, il hésite à se faire vacciner. Un mot de la grippe A. Vous allez vous vacciner, vous, Jean-François Copé? Bah écoutez, je vais voir si je vais me vacciner. J'ai pas encore pris tout à fait ma décision sur ce sujet. Je me suis vacciné pour la grippe traditionnelle. Bah, pour tout vous dire, je suis comme beaucoup de Français en train de suivre de près la manière dont le gouvernement a organisé la prévention. Je trouve d'ailleurs que c'est très bien fait. Tout ça est bien fait, mais pourquoi vous le faites pas alors? Je trouve que tout ça est plutôt bien fait. Bah écoutez, je veux simplement m'assurer que ça correspond bien à l'ensemble des exigences du moment. Le président de la République est absolument décidé à se faire vacciner. Il me l'a encore confirmé mardi soir. Tous les ministres vont y passer. Le seul qui résiste, comme d'hab, c'est Copé. Je vais voir si je vais me vacciner. Jean-François, d'abord, tu es en pleine forme. Tu as envie de garder ta fonction pleinement opérationnelle de président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Eh bien, fais-toi vacciner. Bien sûr, je ferai le moment venu. Bien sûr, sans hésiter.